t'appelle. Suivez chaque jeudi après-midi, 5h, 6h en 60 minutes, La Voix du Messager. La Voix du Messager avec Pasteur Gerns Bernardo. La Voix du Messager, c'est un programme qui vient jouer nous grâce à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, qui est dans le numéro 61 Pleasant Street Randolph, Building Adult Day Health là, mais un service église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Dimanche matin de 10h à 11h, école dominicale. 11h du matin pour 1h d'après-midi, culte d'adoration et de louange. Et pas oublier chaque mercredi soir, dès 7h pour 8h30, réunion de prière. La Voix du Messager avec Pasteur Gerns Bernardo. Bonne audition. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Amis des ondes, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, que la paix, la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus et nous disons bienvenue à l'émission. Nous disons bon Dieu merci encore une fois, il permet que nous capables de retrouver nous des ondes radio ça, afin que nous capables de présenter l'émission par là, émission qui rentre la caillou chaque jeudi 5h pour 6h, émission qui nous genoux grâce à l'Église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, Église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance qui est placée dans le numéro 61 Pleasant Street dans Randolph. Nous disons bon Dieu merci car nous réalisons où tu es là avec nous dans le moment où tu es que et nous t'avons clôturé l'année et après-midi ou là ensemble avec nous afin que nous sommes capables de démarrer et pour une autre année avec une autre émission. Et nous capables tout simplement dire ça c'est grâce à mon Dieu, c'est ça que fait et nous profiter occasion ça non seulement nous prêter voix au même auditeur auditrice et chaque membre assemblée pour nous rendre action de grâce à l'Éternel, rendre action de grâce à l'Éternel pour bienfaits pour miséricorde lui pour l'amour lui pour fidélité lui pour bien faire li envers nous. Et nous avons raison pour nous dire oui pour bien faire li envers nous. Car c'est nous là après-midi, c'est nous un privilège pour nous capables, encore une fois, présenter des micros Radio ça 89.3 FM, afin que nous soyons capables de présenter l'émission pour là, la voix du messager. Eh bien, tout simplement, c'est à cause de grâce, bon Dieu. Et c'est ça que fait. Nous voulons et même démarrer l'émission ça, encore une fois, dans une prière d'action de grâce, une prière de remerciement. Et à chaque fois que nous gagnons possibilité ça, à chaque fois que bon Dieu lui fait moi-même ensemble avec grâce, nous a respiré nous en vie, et nous gagnons possibilité pour nous capables de passer une heure de temps ensemble, eh bien, moi toujours encouragé et m'a toujours demandé pour capable rejoindre moi, et afin que nous capables d'approcher devant le trône de bon Dieu avec remerciement 2021 ou intérêt pour dire bon Dieu merci. Amen. Et on l'autre année, amen, et on l'autre saison ou intérêt pour dire bon Dieu merci. Et bien après-midi, tout simplement, nous allons posterner devant trône bon Dieu ensemble et non seulement nous va dire bon Dieu merci, moi je voulais dire bon Dieu merci pour la vie par et m'espérer ou même on va non seulement quand on va présenter, on va promettre la vie, bon Dieu, et on va lever nous dans la prière tout, on va présenter l'église pentecôtiste ou la Nouvelle Naissance devant trône, bon Dieu, après-midi, afin que bon Dieu capable de continuer à faire route et gloire, bon Dieu, capable de continuer à éclater à travers l'assemblée ça, qui est placée dans Randolph. Donc, so, on approche nous devant trône, bon Dieu, ensemble, afin que nous capables de dire bon Dieu merci après-midi. Honorable Dieu le Père, admirable Dieu le Fils, notre médiateur Esprit Saint, notre Consolateur, notre Dieu trois fois saint. Encore une fois, nous prosterner devant ton béni et afin que nous soyons capables de dire merci. Père, nous disons merci d'abord pour ton Fils Jésus, lui-même à la croix, non seulement qui t'a versé sans nid, mais qui t'a prononcé et même un cri de victoire. Tout est accompli. Et à cause du cri de victoire, ça, eh bien, après-midi, peuple, ça, il y a une possibilité, et même dans le nom de Jésus, puis vous présenter devant ton béni avec remerciement, avec action de grâce, amen, et avec gratitude. Et nous disons merci. Nous disons merci pour bien faire envers nous.
Nous disons merci pour présence dans la vie nous. Nous disons merci pour façon côté conduit nous pendant année 2021 et nous disons merci amen car vous pouvez nous encore une fois que vous là et vous toujours là amen parce que vous pas un Dieu qui compte changer et vous c'est un Dieu qui toujours qui met promesse et présence nous amen présent chaque auditeur chaque auditrice présent chaque membre assemblée qui branché sous émission ça après midi a prouvé nous que et ou toujours qui met promesse et nous disons merci. Nous disons merci pour faveur, nous disons merci pour miséricorde, nous disons merci encore une fois pour bonté envers chaque auditeur, chaque auditrice, chaque membre assemblée, quand nous réalisons au bon pour Dieu du Tout-Puissant, ou couronne nous avec bonté, et nous disons merci pour grâce, merci pour faveur imméritée, sa Père. Après-midi, encore une fois, nous présenter émission devant toi, nous bénir, nous demandons permettre que présence sur cet esprit capable de manifester à travers onde radio ça à travers émission ça et maintenant dans la vie chaque auditeur chaque auditrice qui branché permettre que chaque auditeur chaque auditrice qui branché dans minute ça il va recevoir une parole de vie et maintenant une parole qui vous permet que capable continuer faire route ça et maintenant avec force avec courage et maintenant avec joie et maintenant ça fait demander encore une fois et comprise en sous parmi nous présenter au moment béni ça que nous allons passer ensemble avec communauté nous dire encore une fois et assister nous couvrir nous et inspirer car nous réaliser cet esprit tout ça que n'a fait et même il doit faire sous inspiration et maintenant car nous pas voulez parler selon nous-mêmes nous pas voulez et même parler selon ça nous lit selon tout livre que nous lit selon réflexion personnelle nous selon réflexion philosophique nous selon réflexion académique mais nous voulez parler selon nous-mêmes et pour nous-mêmes seul et nous réaliser c'est seule façon que peuple ça c'est seule façon que communauté hein, c'est seule façon que auditeur auditrice yo va sortir édifié et maintenant dans fin émission ça ça encore une fois nous a glorifié non à travers et maintenant et radio ça le Saint-Esprit et n'a mando encore une fois parler agir amen agir amen inspirer afin que peuple va sortir béni après-midi nous louons encore une fois nous disons merci Père et c'est comme ça nous prions dans nom Jésus lui qui vit et qui règne au siècle des siècles amen amen. Mes des amis, encore une fois, nous saluons et nous disons bienvenue à l'émission. Et si peut-être ou même c'est pour la première fois que vous branchez même sur le 89.3 FM, eh bien non pas non, c'est parce que Gans Bernardo, ouvrier à l'église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Église pentecôtiste de la Nouvelle Naissance, ils ont assemblé qui abaille bon Dieu gloire dans le numéro 61, Pleasant Street, dans Randolph. Chaque dimanche, 10h pour 11h, nous gagnons école dominicale et 11h pour 12h30, nous gagnons culte d'adoration. Et même le peut-être spot là, il est censé faire qu'on est que chaque mercredi, nous gagnons service de prière. Mais pour le moment, à cause de situation, à cause de question virus là, eh bien, nous simplement et gain service nous le dimanche et service de prière nous censé reprendre nous gagne en ligne mais nous espérer pendant dure année 2021 ça et bien bon Dieu va faire nous grâce afin que nous capables reprendre toute activité que nous habitués et même et gagner et espace à côté chaque mercredi nous était toujours gagner service de prière nous 7h ou 8h30 et nous espérer que bon Dieu lui-même et dans mon lit dans grâce lui il va jeter un regard favorable et même et vers nous-mêmes, vers pays ça, afin que, et même là, c'est pour un peu de temps, eh bien, nous va reprendre l'activité, non, afin que nous va continuer, et même, et rassembler, et même, peuple ça, que bon Dieu relève nous, pour nous capables de rassembler, afin que, et soit le trompette la sonné, ou bien, si Dieu est fermé, eh bien, Dieu va bien fermer. So, encore une fois, nous disons bon Dieu merci et nous disons bon Dieu merci pour présence à l'émission. Et après-midi, nous sommes censés pour aller passer un petit temps ensemble, comme nous avons fait, autour de la parole de Dieu. Autour de la parole de Dieu. Et, mais alors, texte que nous allons servir avec l'après-midi, afin que nous va présenter au sujet, nous, un sujet, et normalement, qui, ça c'est un thème que nous avons gagné à peu près une semaine, peut-être que nous sommes censés naviguer autour du thème, ça. Il y a un thème que moi-même, personnellement, moi, pensais que nous avons été fin à lui-même dimanche 3 janvier, mais alors, nous réaliser c'est que bon Dieu lui-même, avec l'aide du Saint-Esprit, lui permet qu'après-midi, thème ça, il est capable de faire surface encore une fois à l'émission. Et mais alors, afin que nous continuions
avancer avec thème ça, n'a pas simplement et mandé ou invité ou ouvrir Bible ensemble avec nous dans l'évangile selon Saint Jean, Jean chapitre 14 et verset 1 à 4. Et c'est là que nous allons joindre l'étude parole de Dieu et après-midi à Jean chapitre 14 verset 1 à 4. Et qui sa parole a dit, je lis pour vous Jean chapitre 14 verset 1 à 4, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Une année de réflexion pour une vie meilleure. Une année de réflexion pour une vie meilleure. Pour Silayo, qui aimait écrit ou bien cap écrit, ou bien peut-être qui toujours était attaché peut-être à étude parole mon Dieu, ou bien Silayo, souvent qui ont été attachés avec exercices qui permettent qu'ils soient capables de faire interprétation et leur fin lit en verset, ou bien Sayo qui est attaché avec sa nouvelle l'herméneutique. Peut-être qu'on a posé une question cet après-midi, on a dit, mais parce que Gant Bernardo, le nous tendait l'étude, ça, qu'on s'est fait à Jean chapitre 14, verset 1 à 4, et le nous tendait sujet ça, nous peut-être ont des gens troublés parce que nous pouvons voir qui relation qui existait entre une année de réflexion pour une vie meilleure, qui connexion, qui relation, comment on est capable de faire tirer un sujet pareil de un texte. Un texte, le n'a pas gardé texte ça, n'a pas lu texte là pour encore. Alors c'est vous-même auditeur, auditrice qui a pris le texte là pour moi, face à question ça peut-être poser maintenant qui relation qui existait entre les sujets ça, parce que l'on lit un texte souvent, nous toujours bien tendance pour sujet à l'étirer directement du texte là, afin que ou capable de développer sujet à et même à travers chaque grain verset ou bien chaque point ou bien sous-point pour capable de faire conclusion. Et peut-être qu'on a dit, mais parce que Gans Bernardo, dans la lecture sur le lien là, où tu dis, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, où dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Une année de réflexion pour une vie meilleure. Oui, ça c'est le sujet qu'on a présenté à vous-même, auditeurs, auditrices, bien-aimés dans le Seigneur, amis des ondes, membres de l'Église pentecôtiste de la nouvelle naissance. Une année de réflexion. Premièrement, d'un sujet à nous joindre, mon réflexion qui intéressait nous, et parce que c'est lui-même qui va permettre que nous, censés nous chercher un lien entre sujet et portion écriture ça parce que le n'a gardé mon réflexion c'est-à-dire si vous t'as consulté un dictionnaire français ou après l'idiot c'est action de réfléchir ou d'arrêter sa pensée sur quelque chose
pour l'examiner en détail. C'est-à-dire d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. Et il y a un monde qui a réfléchi, il y a un monde qui a porté des réflexions, et bien il y a des réflexions, encore il dit, c'est qualité de quelqu'un qui évite la hâte, c'est-à-dire la précipitation dans ses jugements. En un mot, sa définition, il faut comprendre là, c'est le nom à garder, le nom à examiner, le nom à garder une situation, le nom à faire un constat peut-être d'un événement. Eh bien, l'important pour nous capables et pour nous pas précipiter dans le jugement nous, pas précipiter dans l'analyse ou dans la conclusion nous, amen. C'est-à-dire, avant même qu'on conclue, amen, eh bien, on t'a doué à faire des considérations, on t'a doué à faire plus d'observations et penser, on t'a supposé aller plus loin. Mais alors, pour quelle raison que nous présentons, amen, plusieurs formes de définition, ça, sous mot ça, qui c'est la réflexion, c'est parce que nous présentons premièrement un sujet qui dit une année de réflexion pour une vie meilleure. Et si nous disons c'est une année de réflexion, on doit peut-être plus ou moins et gagner une idée, amen, de réflexion qui s'allie. Parce que l'année 2021, c'était une année de réflexion. C'était une année qui devait porter ou même à penser, à observer et peut-être à porter des jugements ou bien à examiner en détail. À examiner en détail parce que c'est une année qui était présentée avec beaucoup et même de tribulations. Il y a une situation qui t'a permis que moi-même ensemble avec nous t'as supposé toujours à réfléchir. Et là, on a parlé de la réflexion, moi dit souvent et moi t'ai dit ça semaine passée là, ou pas obligé un chrétien ou pas obligé un croyant parce que moi dit que on a plus gros cadeau que bon Dieu lui-même t'a offert à l'humanité, un cadeau qu'on joigne dans Genèse chapitre 1 le verset 26 côté que Dieu m'a dit OK, faisons l'homme, en nous créer l'homme, en nous faire selon image non selon ressemblance non. Et moi t'ai expliqué où c'est la langue française là qui te dit image, mais si vous allez dans le langage hébraïque, là, on n'a pas besoin d'image, amen, mais on a besoin d'un terme, un mot qui se selem, un mot normalement de définition, eh bien, qui présente une caractéristique transmissible. C'est-à-dire que le bon Dieu dit on a créé l'homme, amen, selon image, non bien ressemblance. C'est-à-dire, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui a parlé, mais il a décidé, puis il est capable de déposer, amen, dans nous-mêmes, ou bien doter nous des facultés que nous joignons, ou bien des attributions que nous joignons la caille. Bon Dieu, malgré pas nous, il n'est pas parfait, amen, mais il est selon image de Dieu, amen. Et il a gardé faculté, ça, il a dit que nous joignons la volonté, ou joindre l'amour et ou joindre intelligence. So, en un mot, le fait que Dieu l'a créé ou même avec intelligence, il y a une faculté qui l'a doté de lui-même, intelligence, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, amen, ou pas obligé de gagner une Bible en main pour faire une observation, pour apporter des réflexions et pour analyser en détail, amen, quelle que soit la situation qu'on a gardée et m'espérer que ou te gagner liberté en tant qu'humain, amen, qui créé selon image bon Dieu pour être capable de porter des réflexions. Et dans réflexion que moi-même en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'humain que moi-même moi t'a porté, eh bien réflexion mieux et sans que me pas précipiter mais il te permettre que moi t'ai conclu que le n'a regardé année 2021, il te permettre que considérer ou bien moi porter censé trois réflexions ça qui c'est premièrement année 2020 te permet que moi garder ça nous la fragilité de l'homme. Moi réaliser comment l'homme fragile, comment nous faible, comment nous très fragile et yon pensée qui était potée sur Psaume 144 côté serviteur, il t'a présenté la vie nous, il dit ouais la vie nous bien simple. La vie nous c'est un moment et après ça ou pas elle encore. Et deuxième réflexion que j'ai fait dans observation, moi j'ai observé année 2021, moi t'ai réalisé, moi t'ai dit, moi t'ai considérer la faiblesse des gouvernements.
la faiblesse des gouvernements ou bien peut-être la méchanceté des gouvernements parce que nous réalisons côté que y a un virus qui frappait gouvernement nous et bien virus ça mettait gouvernement nous à genoux et nous avons une faiblesse qui existait dans le niveau la science soit science médicale parce que nous avons un problème que l'hôpital a gagné une crise qui a gagné une nouvelle situation. Mais troisième réflexion en tout, il permet que nous réalisions que le Nabgadé, malgré la fragilité de l'homme, nous fait constat, le constat du gouvernement, nous est très faible, amen. Mais alors, il permet que nous-mêmes tous, nous sommes capables de garder, nous sommes considérés, ça nous est la grandeur de Dieu. Parce que l'année 2021, c'est une année qui doit permettre que, pour moi-même, ensemble avec nous, ouais, la grandeur de Dieu et la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu est parce que nous disons, nous avons regardé quand c'était monde qui tombait, monde qui était mieux placé que nous-mêmes, monde qui était, amen, qui était en santé qui robuste, amen, monde qui était encore plus jeune, parce que nous très jeune, monde qui était prend toutes précautions possibles, amen, que capacité était au frio, peut-être moyen logement était au frio, ou même au tap logé, donc, qui a 6-7 monde, et ou malgré toutes sortes de cafés, mais et peut-être espace pas permet qu'on prenne toutes précautions nécessaires, mais il y a monde même qui a vécu dans des maisons, c'est château l'on regarde des square feet maison moun sa yo mais malheureusement il est tombé mais au même pour là ou est année 2021 et bien ça supposé et faut comprendre que bon Dieu nous est grand et lui souverain et raison que nous dit lui souverain c'est parce que c'est lui même qui gagne droit ça et souveraineté lui face à la compassion c'est lui gagne droit ça parce qu'il fait grâce à moun li vle parce que c'est parce que Bernardo en vie après-midi en vérité c'est à cause de bon Dieu c'est grâce mon Dieu parce que ou même on pas ta faire grâce ça et ou même on pas ta faire et frère action grâce ça mais c'est bon Dieu qui choisit c'est bon Dieu fait grâce à moun li vle il pas garder sur hauteur pas garder sur longueur pas garder sur largeur il pas garder sur peut-être dans qui section communale ou sorti dans qui département ou sorti si ou t'es sorti dans lycée si ou sorti peut-être dans école privée si ou fait peut-être ou t'es dans l'université, soit dans l'université, sous roule, sous noir, sous parler créole, soit parler créole, il va regarder par sous diction, il tout simplement fort grâce. Et c'est ça que fait, moi toujours présenter Dieu ça comme le Dieu de quiconque. Le Dieu de quiconque. Eh bien, ça c'est une réflexion que nous portons. Amen. Mais alors, moi trouvez moi rentré dans l'année 2020 hein, avec même thème après-midi à bien-aimé, et moi lis une portion écriture pour vous. Et encore une fois, jusqu'à présent, malgré toute ou bien longue introduction, ça, ou qu'a dit Pasteur Gian Bernardo, mais qui koto vle aller avec sujet cet après-midi face à texte que vous lire. Mais comme nous dit que, on a regardé mot réflexion, c'est un mot, l'on a regardé plusieurs définitions, et bien c'est un mot qui permet que, qui montre, premièrement, c'est action de réfléchir ou d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner en détail. Et bien, moi, avec quoi que je dis, hein, nous tous qui vivent dans le pays, ça, et le monde entier, ils ont examiné ce qui a passé aux États-Unis, ou bien ce qui a à peine passé aux États-Unis, plus précisément à Washington. Et moi, réalisé, le nom a lu les commentaires sur Facebook, sur YouTube, dans la télévision, dans pile réflexion et dans pile monde qui censé et dans jugement yo était précipité yo précipité dans jugement yo était conclu yo pas évité la hâte mais yo était conclu mais après midi a mission nous c'est afin que ou capable porter une réflexion qui plus globale c'est-à-dire que parce que je dis a le n'a regardé ça qui a passé aux États-Unis, le n'a regardé ça qui passait autour de nous premièrement et moi-même personnellement en tant que serviteur de Dieu ça va étonner et si peut-être ou t'a mandé et maintenant responsable radio ça pour t'a capable offrir toute émission que moi-même moi fais sur radio ça et me connaît peut-être des monde qui t'a critiqué le même deal parce que moi était deal et me toujours dit lui c'est que pas rien qui a changé dans le monde ça et pas rien qui a changé et pas rien qui de nouveau en bas ciel là tout et moi t'ai toujours dit et me rappeler moi t'ai dit des micro ça que pas étonné pour dans temps qu'a venir là dans jour qu'a venir là et ou qu'a camper pour dans congrès ou des sénateurs sénateurs qu'a bataille ou après des congressmen qu'a bataille et ça qui passait
Et là, on peut lire pire même que déclaration, ça que tu fais, et moi, je connais que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec. Et ça m'apprécie du fait que je ne suis pas d'accord avec. Non? Et ça permet que moi-même, je travaille plus toujours. Mais alors, pour que les gens nous toujours pris en position, ça y est, c'est parce que le nous dit pas qu'il n'y a rien qui a changé. C'est parce que le nous garde le texte, texte que nous lisons dans Jean chapitre 14 là, texte là, c'est un texte et même qui a un rapport avec Fintan. C'est un texte, malgré qu'il n'y a pas classé souvent parmi les textes eschatologiques, c'est-à-dire texte qui a un rapport à l'étude Fintan ou bien événement de la fin. Yo. Mais si vous regardez le texte très clair, Jésus, pour nous mettre pour ce écriture en contexte, pour vous, c'est que Jésus, dans cette situation là, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, là, côté, il est obligé à reconforter les disciples. Et pour quelle raison Jésus a reconforté les disciples, c'est parce que les disciples étaient extrêmement découragés. Parce qu'il ne faut pas oublier dans le chapitre qui vient avant, dans le chapitre 13, Jésus a gagné plusieurs déclarations qu'il a fait. Premièrement, Jésus dit, monsieur, et que libre aller. Jésus leur dit, amen, très clair. Il dit, monsieur, ça que libre aller. Il dit, monsieur, tout que libre aller mourir. Il dit, disciples, que parmi les 12, il y a un qui va le trahir, il y a un traître parmi les 12. Et il dit, tout que Satan œuvrait contre. Tout Satan pour œuvrer. Et ma pour fouti note ça de côté. Satan œuvrait. Œuvrer. Pour œuvrer, ou déjà qu'on a gagné, il y a un bagage pour besoin. Ma fait mes fenêtres ça. Ça c'est pour le docteur Laloyo. Et mon petit fenêtre ça. Jésus dit, monsieur, Satan œuvrait contre tous. Maintenant, disciples, tu es trouvé dans une situation. Côté monsieur, il était réellement senti accablé. Monsieur était triste. Et Jésus était venu reconforter monsieur. Et pour être capable de reconforter monsieur, Jésus, en un mot, ben monsieur, il y a un avant-goût. Il y a un avant-goût de ça qui vient pour passer. Il y a un avant-goût de ça le pral fait. Il y a un avant-goût de plan. Et en un mot, Jésus obligé de faire monsieur une promesse. Il y a une promesse malgré. Si vous mettez verset en contexte de temps, oui, Jésus, sa disciple, il t'a parlé. Mais il ne faut pas oublier, portion écriture, ça n'est pas limité à disciple simplement, parce que c'est même portion écriture, ça que l'apôtre Paul, lui-même, il peut le développer pour les Thessaloniciens, parce qu'il ne faut pas oublier, apôtre Paul, et durant le deuxième voyage missionnaire, il était passé chez les Thessaloniciens, il a commencé l'enseignement, il n'a pas fini l'enseignement, si vous rappelez-vous. Et il était obligé, il était chassé, monsieur. Et apôtre Paul, tu es trouvé dans une situation, côté que, si là, il a commencé à enseigner, il est venu mourir après. Et il était besoin qu'on ait, mais ça ne va pas passer nous après que nous fermons les yeux. Nous. Et apôtre Paul, tu as une obligation pour écrire les Thessaloniciens. Un Thessalonicien, deux Thessaloniciens, premièrement, il a écrit sur la question de la mort. Retour. Et ça fait après thème. Amen. Thème 1 Tessa, c'est l'enlèvement et ou le retour. Et 2 Tessa, lui-même, c'est le jour du Seigneur. Mais apôtre Paul, il développait Jean chapitre 14 à tout, côté que lui, ça s'est fait peuple la connaît. Eh bien, Jésus, même promesse que Jésus t'a fait à disciples, mais promesse à lui pour tous les croyants. Tous les croyants, c'est ça que apôtre Paul applique thème, non, les morts en Christ. Et Jésus, c'est ça la petite disciple là. So, moi-même, je dis, non, réflexion pas, je m'ai regardé ce qui a passé aux États-Unis. Moi, je ne suis pas capable simplement de dire ça, c'est pour les États-Unis. Non. Je dis, moi-même, ensemble avec nous, je constate que le monde est en déclin. Nous ne pouvons pas faire face à un problème aux États-Unis, je dis, mais nous faisons face à une crise, à un problème global. Et pour quelle raison? C'est parce que c'est très important pour moi-même à savoir nous comprendre ça. Et c'est ça que fait Jésus, même lui fait monsieur, lui fait une promesse ça. Parce que si Satan pral œuvrer contre lui, monsieur pral disperser, monsieur pral faire face à un temps difficile, il va rentrer dans un monde qui est terrible. Et bien Jésus, pour nous conforter, monsieur, dit monsieur, pas inquiétez nous. Il dit monsieur, moi pral aller. Moi pour aller,
je vous aurai préparé et je et que je vous aurai préparé une place. M'bralé et m'bral préparer une place pour nous. M'bral préparer une place pour nous. Et nous sommes préparés une place pour nous, mais il dit je reviendrai et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi ça Jésus pas simplement dit monsieur yo et je reviendrai. Pourquoi ça pas simplement dit monsieur je reviendrai. Ça c'est question nous t'a supposé poser le n'a regardé texte ça. Une question de réflexion. OK, pourquoi pas je reviendrai. Mais non seulement il dit je reviendrai, mais il dit je vous prendrai. C'est-à-dire m'a retourner. L'homme vini m'a pris avec moi, m'a vini chercher en bon créole ça dit là. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi et m'a pris avec afin que côté moi, c'est-à-dire que place ça que mal préparé là, c'est là où va y avec tout. Et raison est bien simple, c'est parce que bien-aimé, premièrement, faut nous comprendre ça très clair. Très très clair. Jésus connaît dans omniprésence li, Jésus te gétan ou monde ça. Et c'est pas sans raison qui fait Jésus dans enseignement il toujours présenté, il présentait Satan comme le prince de ce monde. Et monde là nous toutes qui gon bib en main nous connaît li sous l'empire du diable. Et Jésus décidé, il dit il va préparer en place parce que monde ça si vous allez dans peut-être dans fin livre Apocalypse là qui présente cette nouvelle terre. OK, la nouvelle Jérusalem, monde ça selon le plan de Dieu, bon Dieu pas un plan. Monde ça pour le restaurer. Moi connais un petit groupe de yo qui toujours a pensé le regarder de monde ça yo penser monde ça pour le restaurer. Non. S'il y a deux éléments que Dieu pas un plan pour le restaurer lui. Pour le réparer lui mais pour tout simplement éliminer pour le capable offrir l'autre c'est la terre. Amen. Et avec le corps. Ouais, m'a précisé terre et avec corps. Et si vous consultez l'épître de Pierre, on va pouvoir être clair sur ça. L'épître de Pierre, il dit ça, il dit la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a un texte qui a présenté doctrine résurrection où elle parlait de un corps glorieux. Un corps glorieux. Parce que corps ça a son corps naturel changé. Son corps depuis la désobéissance à Adam naturel changé et ça fait texte là dit que nous gagne pour nous changer dans un clin d'œil. N'a changé parce que nous va gagner un autre corps, un corps glorieux ou bien ça relé le corps incorruptible. Nous gagne pour nous passer du corruptible à l'incorruptible. Et c'est même raison ça qui fait tout Jésus connaît. C'est ça, lien pour consommer, li pa restaurer et bien Jésus dit m'pral préparer une place pour nous. So en un mot, l'homme garde texte ça face à ça qui a passé autour de moi-même, moi-même personnellement, li tout simplement rappeler que c'est ça. Amen. Li pas pour moi. Li pas pour moi. Trésor moins. Amen, li pas qu'à sous terre ça. Et cette raison, ça fait dans Matthieu chapitre 6, l'on a regardé bon Dieu dans l'enseignement, surtout le l'a enseigné et le l'a parlé avec les pharisiens, lui dit pharisiens. Très clair, si nous regardons Matthieu chapitre 6, on peut Jésus lui clair sur ça. Dans Matthieu chapitre 6, si vous consultez les versets 19 peut-être à 21, ou après Jésus lui-même qui a présenté nous vrai trésor nous. Vrai trésor nous qui c'est pas terre ça. Vrai trésor nous qui c'est pas pays ça. Vrai trésor nous qui c'est pas monde ça. Jésus dit monsieur yo dans exhortation parce que pharisiens faut pas oublier pharisiens aux yeux spirituels étaient malades. Ils étaient toujours attachés à des choses matérielles même j'en jodia. Donc pile monde jodia
problèmes yo gagnent autour de eux même c'est pas ça qui a passé dans le monde là non mais inquiétude c'est autour des choses matérielles c'est petit compte en banque yo qui problème pour yo c'est petit caillou qui problème pour yo parce que le fait que amen et Dieu spirituel yo malade et mes trésors yo et même li pa autre trésor ça t'est lié et depuis trésor ça t'est lié ou toujours marcher tête à tête et ce problème ça Jésus des pharisiens qui fait dans verset 19 là li rappelé ça li dit monsieur ne vous amassez pas des trésors sur la terre ou la teigne c'est-à-dire caille que une tempête capati avec là ou la rouille détruise vieux machine ou acheter fait intéressant pour lia après 3 ans et même celle que déposé bon ici ou bien Canada pour neige ou qu'elle détruire ou la teigne et la rouille détruise ou les voleurs percent et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel moun et même Dieu spirituel yo pas malade trésor yo c'est ciel lié Dieu yo c'est sur la croix fixé Dieu yo fixé sur la croix mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point parce que bien célestiaux et même rouille pas qu'à détruire yo bien spirituel yo et même de l'eau pas qu'à laver yo éternel yo éternel de l'eau pas qu'à laver yo où les voleurs ne percent et ne dérobent car verset 21 là où est ton trésor là aussi sera ton cœur et ça fait après-midi à moins 10 où lui fit ses yeux vers le ciel et c'est raison ça qui fait moi te présente au texte ça parce que si Jésus dit il va le prendre en place pour moi côté li vaillé c'est la vaillé et ben côté Jésus yé c'est la trésorier côté Jésus yé c'est la trésorier et c'est pas sans raison ou suivre dans même Matthieu chapitre 6 là côté Jésus lui même instructionné côté Jésus a instruit disciples comment pour prier et bien il dit ça regardez dans verset 11 ans il dit monsieur il dit mais comment pour nous prier le n'a prié nous doit dire voici donc comment vous devez prier cette déclaration ça que Jésus fait dans le verset 9 il dit notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien c'est-à-dire pendant que trésor lit dans le ciel mais Jésus lui-même il connaît besoin. Il connaît nous besoin. Il connaît nous besoin. Mais il dit que non pour besoin qu'on présenter devant Dieu ou demander ou dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est quoi le pain quotidien? Dans Proverbe chapitre 30 verset 8 à 9 ou après Bible la Bible Salomon définit pain quotidien pour nous. Ou après pain quotidien qui s'allie. Pain quotidien dans verset Proverbe 30, verset 8 à 9, où après Salomon dit, éloigne-moi, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Parce que moun, depuis que tu as 3 pains et demi sous ta vie, tu as oublié mon Dieu. Depuis que tu as 1 000 $ plus 50 $ sur le compte en banque, tu as oublié mon Dieu. Depuis que tu as un bout de terre, un bout de caille, tu as oublié mon Dieu. Mais après Salomon, il dit ça. De peur dans l'abondance que je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe. Et ne t'attaque au nom de mon Dieu. C'est-à-dire, pas bon moi ni pauvreté, ni richesse, mais en un mot, bon moi le nécessaire. Et c'est ça Jésus a dit, monsieur, là. Il a dit au monsieur, pas crier pour des choses terrestres. Pas marcher faire ennemi à monde pour bien la terre. Pas marcher dérober, pas marcher tuer monde pour bien la terre. Pas marcher faire monde mal, pas marcher parler monde mal. Suspend faire complot sous deux monde pour vieux bagages matériels. Tout simplement, demander bon Dieu le nécessaire.
Parce que trésor nous, c'est dans le ciel lié. Le nécessaire, depuis où aller devant mon Dieu qu'on ait besoin là-bas où le nécessaire. Et c'est pas sans raison, bien-aimé, ou après, dans le psaume 103, côté que David, a, psalmiste a présenté, alors David, alors bien, a présenté un hymne de louange. Mais dans le psaume 103, David, qui c'est un serviteur qui a un parcours qui est extraordinaire avec Dieu, qui font pile expérience avec bon Dieu. Mais dans le psaume 103, dans l'hymne de louange, ça, après David, lui dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Moi, je dis après-midi, la raison qui fait, souvent, les n'ap gade événement yo, nous tracasse, nous panique, nous senti nous troublé, nous senti nous agité, c'est parce que ou pas fixé yo vers la croix. C'est parce que trésor n'est pas dans le ciel. C'est parce que Jean chapitre 14, verset 1 à 4, ou pas prêter attention avec lui. Jésus dit, m'va le préparer en place. C'est parce que lui était déjà connu ça, lui ouais ça dans omniscience lui. T'es ça, gouvernement yo, les hommes soi-disant, dit avec Bible en main, avec champ d'espérance en main, des hommes costumés, des hommes avec diplôme, des hommes qui gagnent pile popularité, des hommes qui gagnent apparence, ils te gèta connaît, ils te gèta connaît. C'est là nous t'a privé. C'est parcours ça, tu as gagné pour lui faire. C'est ça que fait moi toujours dire. Raison fait moi toujours dire pas rien qui a changé. Pas rien qui a changé en bas ciel là. Même l'autre a rebondi aller mieux pour 6 mois, pour 1 an, ou pas besoin d'inquiéter ou amen. C'est une parenthèse, c'est peut-être une parenthèse, parce que Dieu, il est pratique, ça l'ouvre une parenthèse pour qu'elle respire, pour le peuple qui a respiré. C'est une parenthèse. Mais pas gagner de bon que le monde a offrir encore. Pas gagner de bon, c'est parce que, et moi, dit, c'est parce que m'a fuyé sur même Matthieu, chapitre 6 là. Dans Matthieu chapitre 6, Jésus a continué à enseigner et réconforter. Faut pas oublier Matthieu chapitre 6, le verset 25, pour venir dans verset 34 là. Ou pour Jésus, côté que l'a enseigné, l'a dit, monsieur, pas inquiéter nous. Mais dans le verset 34, Jésus conclut, il clôture le chapitre là avec qui ça, il dit, peuple là, il dit, monsieur, ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Pas inquiétez-nous pour le lendemain. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Et Jésus allait, il dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Terme grec là là chaque jour suffit sa peine nan peine nan qui ça li implique terme grec là li implique chagrin c'est Jésus même qui dit si là qui omniprésent si là qui dans tout temps li même qui voit toute saison yo li même qui voit tout événement yo si là qui voit depuis avant te on masse informe dans votre maman c'est Jésus même qui dit lui dit que à chaque jour suffit sa peine, c'est-à-dire encore une fois, chaque jour yo gen pyo vini avec ça, avec chagrin yo, avec adversité yo, avec malheur yo, avec calamité yo, à chaque jour suffit sa peine, bien-aimé. Au moins dis encore
pas ta souhaité jodi a ou ta simplement centré autour des États-Unis et puis pour ridiculer les États-Unis comme si problème nan c'est États-Unis qui problème. Non, c'est le monde, c'est le monde problème nan, c'est la terre problème nan, c'est parce que nous fait trop sous terre, nous tuer trop, nous fait trop crime, nous moquer bon Dieu trop. Route où est monde là faire là, c'est même route ça. Et même Israël te fait tout dans relation avec bon Dieu, parce que l'on prend bon Dieu ou mettez le de côté, l'on prend bon Dieu ou mettez le à l'écart, l'on obtient de tout docteur et en divinité ça yo, l'on obtient de tout philosophe ça yo, l'on obtient de yo, ouais c'est moqué bon Dieu, l'on obtient de tout hérésie ça yo, c'est tout normal je dis à là, ou bon Dieu lui-même. Pour nous voir que bon Dieu baille d'eau. Ce n'est pas bon Dieu qui baille d'eau. C'est nous qui baille bon Dieu d'eau. Bon Dieu, c'est comme ça qu'on s'est toujours traité avec peuple. À chaque fois où virer les yeux, ou détourner de lui-même, eh bien, c'est malheur pour arriver. C'est parce que nous ne suivons pas parcours Israël. Nous ne suivons pas la relation bon Dieu avec Israël. C'est parce que nous ne lit prophète Osée. Sous lit prophète Osée pour comprendre bien. Li prophète Osée pour garder sa cap passer dans Osée côté bon Dieu mandé Osée pour le prendre une femme prostituée, c'est-à-dire que bon Dieu mandé Osée, amen, c'est-à-dire même expérience que bon Dieu a fait face à Israël là, lui permettre que lui mandé Osée pour faire une expérience pour Osée qu'a comprendre ni, parce que Dieu son Dieu qui jaloux et le garder Israël en tant que peuple dans bras l'autre nation yo. Nan bra l'autre nation yo, et mais bon Dieu souffrir, parce que l'obay bon Dieu do ou fait bon Dieu souffrir, mais l'obay do tout, c'est ça qui fait soit garder Osée ou après non seulement demander Osée pour le prendre femme prostituée, mais ou après chaque petit que Osée fait, chaque non li bayo non yon signification, ou après gen la dan yo qui dit OK Dieu, God is no longer with you, which mean Dieu pas avec encore. Ou après un nom qui veut dire que et dispersé, parce que à chaque fois ou après Israël bail bon Dieu d'eau, et ben qui s'est passé ou après c'est l'autre nation yo qui envahit Israël. Israël dans moment li nan désobéissance, dans moment la dérespecter bon Dieu, dans moment que li pas respecter bon Dieu, dans moment que li nan idolâtrie, et ben Israël toujours vulnérable. Et ben c'est dans face ça monde l'arrivé jodi a, parce que nous moquer bon Dieu trop. Nous fait trop en bas ciel ça, nous fait trop sous terre, gouvernement yo fait trop, politicien yo fait trop, pasteur yo fait trop, évangéliste yo fait trop, nèg a bible men fait trop, nèg ki gen l'église fait trop, jodi a, c'est tout normal. C'est tout normal. On a fait face à des situations difficiles parce que nous vivons do bay pour Dieu. Et Jésus n'a omniprésence li. Il était qu'à comprendre ça. Et c'est ça que fait dit m'braler. M'bral préparer une place. Côté que moi y est là nous va y tout. M'bral préparer une place parce que t'es ça lien pour le passé. Et c'est ça que dans l'épître de Pierre a pensé à Silaio qui était dispersé, Silaio qui était dispersé, qui était découragé, qui était abattu, qui était accablé. Et Pierre lui-même l'a essayé de réconforter. Non seulement Pierre lui fait comprendre que Théa lui vient pour le passé, mais Pierre rappelé dans l'épître de Pierre, chapitre 2, lui dit si là, qui était dispersé, lui dit même, rappelez-nous ça. Pendant nous avons souffri, et après-midi, c'est là que je voulais arriver avec vous. C'est là que je voulais présenter au sujet. C'est pour raison que faire mon présenter au sujet ça, parce que moi mon côté me arriver avec au face à sujet ça, moi mon niveau de réflexion que me voulez au faire, moi mon réflexion me voulez au porter et même et réflexion un l'idée de porter sur une promesse, c'est la promesse de Jésus. Promesse là c'est que Jésus a retourné venir chercher où t'es ça lié pour le passé, et si la retourné venir chercher où t'es ça lié pour le passé, ou bon comportement ou doit gagner face à événement yo, face à situation yo, après-midi a, moi vle di ou li, et c'est un an intérim après-midi a, pour me conclure avec sujet ça pour vous. Face à crise yo, ou bon façon de comporter yo. Face à événement yo,
face à tribulation yo, face à douleur ap gade yo, ou gen yon comportement. Et apôtre Pierre, se rappel sa t'ap fait pour peuple sa, qui te dispersé, qui te dans souffrance. Li di yo dans le verset 9, 1 Pierre chapitre 2, li di yo, faites attention. Même le nou est monde lan, ap souffri. Même le nou est monde lan, bagay yo difficile, mais rappelez nous. Et de même, vous-même, bien-aimé dans le Seigneur après-midi, m'a rappelé que, même Jean, Pierre te dit à peuple là, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, texte à vous Israël lié, c'est pas pour Israël seulement lié, il y en a retourné sur ça, on le vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui aviez obtenu miséricorde, c'est lui qui a développé Romains chapitre 9 là, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, mais but messagement après-midi à comme conclure. Bien-aimés, je vous exhorte, frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, membres de l'Église pentecôtiste de la nouvelle naissance, Zamimu, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Je vous exhorte. C'est rituel avec exhorté peuple là, lui présenter au lui exhorté comme étranger. Parce que si dans Jean chapitre 14, Jésus dit que lui va préparer une place pour moi, c'est que destination finalement, c'est pas ça hein. Destination finalement, c'est pas ça. C'est-à-dire que moi c'est un étranger sur terre ça. C'est-à-dire moi-même ensemble avec nous c'est des voyageurs. Nous c'est des voyageurs. We are simply passing through. We are simply passing through. Nous c'est des étrangers et des voyageurs. Et me comprenez aujourd'hui, hein? Raison fait Jésus dans Matthieu chapitre 6 là, il dit côté trésorier. C'est là pour cœurier et trésor nous c'est dans ciel li doyer parce que en tant qu'étranger, me pas pral vinn tuer tête moi. Sous yon terre qui pa pou mwen. C'est ça que je dis, m pa ka comprendre. Comment faire des chrétiens? M ta comprendre si la yo qui pa konn Christ. Mais comment faire des chrétiens ap tuer tête yo pour des richesses? Mwen comprenn. Bon Dieu connaît ou gen nécessité. Et la ba ou le nécessaire. La bon moyen pour payer kay la, moyen pour payer l'école petit tout, moyen pour prendre soin tête tout, même pa ka comprendre. Pasteur Gans Bernardo dit ou, m pa ka comprendre. Comment faire des hommes et des femmes avec Bible en main? Jodi a bataille pour bien la terre. Comment faire des pasteurs? Jodi a ka Bible en main. Qui est même Bible que pasteur Gens Bernardo qui est devant là. Cap li même verset. Comment faire des servantes, des frères, des sœurs, soi-disant dit en Christ, qui est même Bible que m'y est devant là. Qui lit même verset 11 ça et puis ka bataille pour bien la terre. What a shame. What a shame. Pour mon Bible dans main. Pour li même Bible avec moi. Pour gen capacité pour capable maîtriser texte ça même gens que m'a garder devant dans là. Et puis pour des hommes des femmes à Bible en main. Et puis y a bataille. Il y en a déchiré l'autre. Ou vieux bout de terre. Ou vieux bout de l'église. What a shame. What a shame. Ça son honte. Ça son honte pour l'évangile. Parce que aujourd'hui, nous devons comprendre très clair. Face à ça qui a passé autour de nous-mêmes, nous avons gardé le monde là, nous devons comprendre c'est passé dans le passé. Nous devons comprendre c'est étranger nous. Et en tant qu'étranger sur cette terre, nous devons d'accord que nous avons un visa de transit. Un visa de transit. Yon visa de transition. Moi-même, ensemble avec vous, nous n'avons pas de visa terrestre. Nous avons un visa pour le ciel, mais pour nous capables, amen,
arriver à destination finale, nous, il faut que nous passions sur cette terre. Et c'est pour raison ça que fait apôtre là, encore une fois, lui présenter le peuple là comme des étrangers, des voyageurs. En tant que voyageurs, ou pas doué à tuer tout pour des choses terrestres. Et moi, dis-le, ma oui, dis-le encore. C'est une raison fait moins pas seulement Bernardo, moins pas attaché à des choses terrestres. Et bien content le fait que Bible a te offert un texte ça, le monde n'a voulu prendre chemise à sous, bal chemisette là. Et m'y enseigner non ça, m'y conseiller non ça après-midi. Ou me faire confiance, bon Dieu prend soin. Parce que bon Dieu ouais, ou qui des yeux fixés sur un trésor qui est en haut. Moi pas venir pas travailler. Moi pas venir pas à l'école. Jamais, ce n'est pas ça que je viens d'enseigner là. Mais je viens de dire que toujours être devant mon Dieu, afin que bon Dieu soit capable d'offrir le nécessaire. Et si pour des raisons, mon gage là, c'est 2000 dollars le mois lié, mais bon Dieu a baou le nécessaire parce qu'on a une nécessité pour payer un mortgage 2000. Si pour des raisons, université petit tout, et bien peut-être après que vous finissez par les student loan, vous finissez par financial aid, et bien vous besoin peut-être de 5000 dollars pour payer l'université. Bon Dieu connaît que vous avez nécessité 5000 dollars pour capable aider petit tout recevoir formation, mais bon Dieu connaît son nécessité liée là-bas. Mais en dehors de ça, suspendu et tête noire, prier pour des choses terrestres. Pour des choses terrestres. Vive bien avec mon Gibokoto. Vive bien. Gardez des choses terrestres comme poussière. Pas quitter gouverner la vie. Pas quitter gouverner la vie. Pas quitter des choses terrestres. Pas quitter ces maîtres. Parce que je dis, c'est dans ça que nous arrivons là. Et ça que fait, je dis, à chaque fois nous avons une petite crise dans le pays, dans le monde, et puis que nous tous sautons. Parce que nous avons pensé à 401k nous. Nous avons pensé à pension plein nous. Nous avons pensé à Ekoudikai nous. Parce que Dieu nous fixe sur des choses terrestres. Après-midi, moi j'espère que vous êtes capable de porter une autre réflexion. Parce que nous avons présenté au sujet ça, une année de réflexion pour une vie meilleure. Réfléchis encore mieux afin que vous êtes capable d'une vie meilleure sur cette terre. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu fasse grâce. Que bon Dieu couvre vous, que bon Dieu assiste vous. C'était serviteur, pasteur Gens Bernardo de l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. Et encore une fois, vous pouvez brûler nous dans 617-590-4527. Si vous avez un commentaire ou bien si vous voulez, encouragez-nous afin que nous puissions continuer à faire travailler ça. Que bon Dieu bénisse, rêtez avec la paix. Et nous avons rendez-vous pour une autre émission. Jeudi, 5h pour 6h avec l'église Pentecôtiste de la Nouvelle Naissance. So, encore une fois, nous saluons dans le nom de Jésus et nous remercions. Tu fais côté d'accord pour passer une heure de temps avec nous, une heure de temps autour de la parole de Dieu, côté que nous t'apportons des réflexions. Ou branché sur la radio Téléplanète Compact 89.3 FM et 105.